que ça. Box des grandes chemises dehors. Enfin, pas de box. Rien à voir. Un EMS pour enfin un EHPAD pour les Français qui regardent. C'est le terme, on sait pas si ça galère ou pas, mais. C'est un peu bien parce qu'elle suit. C'est incroyable. L'équipe, Jérémy, Nala et Mimi. Et puis ciao, bye bye. Ciao, ciao. Du coup, salut à tous, j'ai Jérémy et Mimi à Chago Océan. Aujourd'hui, on se retrouve, on est le 7 janvier. Et puis, contrairement à la dernière vidéo que vous avez vue, on est sous la neige. Je pense que Océan va filmer des bêtises quand je vais tomber. Du coup, accrochez-vous bien pour cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, c'est parti. Hop. C'est moi, Mimi. Bon bah du coup la dernière, il y a deux semaines je crois, il vous a présenté les veaux sans vous les présenter vraiment parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc là je vous présente Laura, la plus grande, et là-bas, on la voit pas, voilà ma choupette Laura qui est un petit peu plus jeune. Elles viennent les deux de la même exploitation. Et voilà, Laura c'est mon petit bébé. Puis Tina bah, c'est une de ses copines. Puis en haut il y a Jérémy qui... Voilà, qui prend trop l'habitude que je filme. Mais du coup, moi je suis Mimi, sa copine. Voilà. Comme ça, je me suis présentée. Mimi, Océane, vous allez me voir sous les deux noms, peut-être. Bon, bah du coup, c'est moi que vous verrez parce que bah, Jérémy doit aller déblayer. Du coup, c'est pour ça qu'il est pas là. Il m'a demandé de prendre la caméra. Donc, vous allez me voir, moi, un moment sur les terrains. Et puis, Jérémy, un moment sur le terrain, mais de son côté à lui. Et bah, voilà. On verra ce que. Quand c'est que je vais vous prendre. Oui, moi aussi je t'aime. On verra quand c'est que je vais vous prendre et puis ce que je vais vous filmer. Je suis pas encore super à l'aise à la caméra. C'est la première fois. Mais on verra. Peut-être que. Ça... Ok. Bon, bah du coup, je vous prends pour faire le box des grandes chemises. Dehors. Enfin, pas le box. Non, je suis pas d'accord, il a. Bon, du coup, on se retrouve. Je vais fourrager les vaches, je vais remettre un peu du foin et je vous prends, enfin, un petit timelapse pendant ce temps. Je sais pas trop où vous mettre parce que j'ai clairement pas l'habitude. On verra ce que ça donne. Puis si ça donne pas, ben, Jérémy ne la mettra pas dans la vidéo. Voilà, Zara Larson, hop, nouveau réuni. Oh, magnifique. C'est moins 4 places. Là, vous verrez jusqu'au bout. Ouais, elles gueulent un peu parce qu'elles ont faim. Donc, voilà, on se retrouve une fois que c'est fini de fourrager. Bon, du coup, comme je vous ai dit avant, moi je suis aux écuries, mais Jérémy il est parti déneiger. Du coup, je vous envoie chez lui voir ce qu'il fait maintenant. A toutes! Bon, du coup, je sais pas si vous avez pu comprendre, mais ce soir, vous aurez, enfin, dans ce début de vidéo, vous aurez deux caméras. Il y a Océane qui est en train de fourrager à la ferme, je pense qu'elle vous l'a dit. Et puis, moi j'ai dû partir parce qu'il neige, du coup, puis pour mon. Travail, je dois aller déneiger les trottoirs du village, donc je vais aller faire ça. Puis du coup, ben, on vous fera des petits passages entre les deux. C'est que ça sera moi qui parlerai après, ça sera elle. Et puis je pense que ça peut être cool. Donc j'espère que vous amuserez bien dans cette vidéo. Ça dit qu'on pourrait se faire un petit truc comme ça. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît en mettant un gros pouce bleu et en vous abonnant. Et puis du coup, nous on est parti. Hein, nous, moi je prends le tracteur avec la lame.
Et puis on va donner un petit coup de racle. On se retrouve, il est tantôt 5h15. J'ai commencé de faire avec la lame, mais j'ai l'impression que ça pourrait presque aller avec la fraise. Alors je vais peut-être essayer d'aller avec la fraise parce qu'il y a beaucoup de neige. Et puis j'arrive pas à la mettre où je veux. Sur les trottoirs, c'est toujours un peu délicat dans les bords. Donc je vais essayer d'aller mettre la fraiseuse tout d'un coup. Et puis voir ce que ça donne. Et en attendant, chez Océane, ça donne ça. Bon, maintenant j'ai fini de fourrager. Elles sont contentes, on les entend plus. Du coup, elles sont bien là. Et puis les petits, pareil, ils sont tout contents d'avoir à manger. Allez, je voulais juste vous dire que je suis désolée parce que ce sera peut-être pas trop du langage professionnel. Ni il y aura peut-être deux choses que je fais fausses parce que je suis pas du tout dans le domaine de l'agriculture. Moi, je travaille dans un home, donc c'est rien à voir. Un EMS pour, un EHPAD pour les Français qui regardent les vidéos. Donc ça n'a rien à voir avec l'agriculture. Donc il y a peut-être des choses que je ferai fausses. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira quand même ce petit format de vidéo un peu spécial de la vidéo de la semaine passée. Où c'était beaucoup, Aurélie c'est ma cousine, où c'était beaucoup ma cousine. Et cette semaine où c'est moi, puis je vous envoie des fois chez Jérémy, après je vous reprends. J'espère que ça vous plaira quand même. Et à toutes pour la suite de la vidéo. Bon, du coup vous étiez chez Jérémy, je vous reprends un moment chez moi. J'espère que ça va bien du côté de Jérémy. Et de mon côté, je vais faire la paille au veau. Donc je vous prends avec moi pour faire la paille au veau. À toutes, je vous accroche et je reviens, à toutes. Du coup, maintenant je vous renvoie un petit coup chez Jérémy. A toutes pour la suite. Bon, ça se trouve, il est tantôt 6h. Du coup, j'ai réussi à mettre la fraise, puis ça va. Donc, c'est bien, puis ça va beaucoup mieux avec la fraise. Et ce matin, ça c'est l'état que j'ai fait avec sur le bord avec la manège. Et puis, ça reste, puis c'est un peu de la graille. Mais on demande on voit que la neige elle est assez humide et puis que ça demande au tracteur. Mais ça va pas trop mal. Du coup, voilà, il y a un peu du boulot, ça prend quand même un peu du temps. Mais voilà, c'est pour éviter que demain matin ils annoncent la neige encore toute la nuit. Pas qu'il y en ait trop demain matin, puis que le prochain qui doit déneiger, il n'en ait pas trop. Donc voilà, puis je ne sais pas si je vais mettre du sel, mais ça sert à rien s'il neige. De toute façon, on verra quand il s'arrêtera de neiger. Je pense qu'il faudra mettre un petit peu de sel s'il fait moins 10, moins 15. Mais pour le moment, voilà. Mais il est presque à genoux, classe. Là, je suis à 2000 tours, là, mais il peine un peu. Mais ça va pas trop mal. Puis du côté d'Océane, on sait pas si ça galère ou pas, mais en tout cas, je vous emmène chez elle. Chez Océane, ça donne ça. Bon, du coup, moi, je vous retrouve. Je vais essayer de ramener la petite Nosta, que vous avez déjà vu pas mal dans la vidéo de la semaine passée, dans son box avec les deux petites que je vous ai présentées au début de la vidéo. Et c'est trop bien parce qu'elle suit. C'est incroyable, Axo. Allez, viens, Nosta. Vas-y. Toute contente. En plus, il y a de la neige dehors. Je sais pas si je vous la verrai bien, mais elle est toute contente d'être dehors dans la neige. Allez, viens, Nosta. C'est pas par là qu'il faut rentrer. Ah, l'autre côté. Oh, non. Merde. Et voilà, les petits quarts d'heure de folie, de nostalgie. Les joies d'avoir un veau en liberté. Je sais pas si vous la verrez bien, mais elle est là-bas. Puis elle me fait courir d'un coin à l'autre. Elle est toute contente d'être dehors dans la neige. Je crois que ça excite un peu. Bien parce qu'elle suit. C'est incroyable, Axo. Bien parce qu'elle suit. C'est incroyable, Axo. Je vais essayer de la remettre dedans et puis je vous reprends après. Bon, je vous retrouve quelques allers-retours après. Elle m'a quand même fait courir un peu, cette petite bête. Elle est dedans avec les deux autres. Donc, Laura et Tina. Et maintenant, elles sont toutes contentes parce qu'elles ont bien à manger. Bon, je vous renvoie chez Jérémy, voir ce qu'il a à faire, s'il fait un peu d'avance. A tout à l'heure, les copains. Bon, moi j'ai fini, 6h30, 7h moins le quart. Et puis là, je suis en train de faire le plein du tracteur. Et puis après, on va aller voir Océane. Du coup, on se retrouve une fois chez elle, vite. Et puis après, on se retrouve ensemble, normalement. C'est parti. Bon, je sais pas si vous allez voir
grand chose, j'ai essayé de tester un truc. Je vais descendre du foin pour les vaches. Mais je crois qu'on va rien voir, donc on verra si Jérémy met le rush ou pas dans sa vidéo. Bon, du coup, je vous reprends parce que vous avez été un moment chez Jérémy, du coup, je vous reprends un petit coup. Je viens d'aller descendre du point et il y a deux petits malins là qui viennent se servir directement sur le tas. Ils sont malins, ils savent où faut venir pour avoir de la nourriture. Bon, je vous reprends pour mettre le tas un peu plus loin. Bon, tout le monde, on se retrouve. Je suis en train de faire ce montage qui est assez incroyable quand même. Et puis, je suis en train de remarquer qu'en fait, on est déjà bientôt à 12 minutes de vidéo là. Et puis, en fait, il reste encore en tout cas 15 minutes de vidéo à monter sur toute la semaine. Donc, c'est pour ça qu'il y aura cette première partie qui sort du coup maintenant que vous avez vu. Puis, il y aura la deuxième partie qui sortira la semaine prochaine. Qui d'ailleurs, je vous encourage à vous abonner puis à mettre la petite cloche pour la recevoir la semaine prochaine parce qu'il y aura des choses très inédites. Encore une fois avec Océane et le petit chat qui s'appelle Nala comme une des vaches. Bref, c'est pas ça le thème, mais du coup là vous avez vu déjà avec Océane on s'est démarré, puis la semaine prochaine il y aura encore des trucs vraiment très très rigolos, hein, très très drôle. Donc je vous encourage à vous abonner pour voir les vidéos de la semaine prochaine, ça va être aussi bien marrant. Donc voilà, en tout cas on s'est bien amusé à la faire. J'ai hâte de voir vos retours, n'hésitez pas à mettre vos retours, comme elle a dit, n'hésitez pas à vous abonner, puis on fait la petite cloche, un gros pouce bleu ça soutient, et puis on se retrouve de toute façon mercredi prochain pour une petite vidéo peut-être, et puis la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo que vous devez suivre, et puis d'ici là j'espère qu'elle vous aura plu. C'était toute l'équipe, Jérémy, Nala et Mimi. Et puis, ciao, bye bye! Ciao, ciao!